Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur toutes les actions, les routines, les habitudes que vous pouvez mettre en place en fait pour augmenter vos vibrations, augmenter votre taux vibratoire et par la même occasion vous permettre d'attirer dans votre vie les éléments, les personnes, les situations. Tout ce que vous souhaitez en fait obtenir, hein, tout ce que vous souhaitez réaliser, voire se réaliser, ça va être rendu possible en fait en élevant vos vibrations au niveau où là vous avez envie d'accéder et où vous avez envie de faire des nouvelles rencontres, d'avoir des nouvelles activités, d'opérer des transformations profondes dans votre réalité et bien sûr d'avoir l'abondance matérielle et financière qui correspondra aussi à votre niveau d'ancrage, à votre capacité aussi à matérialiser les choses et à les rendre concrètes. Voilà. Donc pour aujourd'hui, j'avais envie juste de vous rappeler quelques petites consignes que vous pouvez utiliser si le cœur vous en dit. La première, c'est déjà vraiment number one, de chez number one, c'est vous faire passer en priorité, en premier, toujours, 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 toujours vous en premier, voilà, même si ça va à l'encontre des stéréotypes judéo-chrétiens qu'on a reçus lors de notre éducation, se faire passer en premier. Prendre du temps pour vous, savoir dire non aux personnes toxiques, aux situations toxiques. Ensuite, c'est vous accorder, et ça va un petit peu dans le même sens, des moments à vous, des moments de recentrage, d'alignement, éventuellement de méditation. Moi, personnellement, j'ai même plus trop envie de méditer, j'en ressens plus le besoin. Mais au moins de vous retrouver dans le moment présent par des exercices de respiration, de méditation, de centrage, d'alignement, de conscience. Vous pouvez également faire des visualisations, bon, comme ça vous chante. Voilà. Ensuite, ça va être deuxièmement, ou plutôt troisièmement, de passer du temps dans la nature, auprès des éléments, de demander à la terre aussi de contribuer pour vous, de demander à recevoir les énergies de la terre. Ça va vraiment beaucoup amplifier votre taux vibratoire. La quatrième chose, c'est de rester éloigné de tout ce qui est toxique et tout ce qui va vous vampiriser, vous aspirer votre énergie, donc télé, radio, les nouvelles négatives, les personnes négatives, celles qui littéralement, j'utilise sciemment le terme, vous pompent votre énergie, et vous verrez que ce terme est vraiment littéralement super bien explicite. Effectivement, il y a des personnes qui arrivent, qui ont la capacité de pomper votre énergie. Je vous rappelle aussi que si on arrive à vous soutirer de l'énergie, ce n'est jamais la faute des autres en fait, c'est uniquement votre fait, et ça peut être des failles justement chez vous qui sont mises en évidence, des limitations que vous pouvez avoir, voilà, des failles énergétiques qui vont faire que à quelques endroits de votre vie, de votre constitution psychique et physiologique, vous avez soit des blocages, des nœuds, des trous, des failles en fait, des choses sur lesquelles vous êtes encore fragile ou vous pouvez être encore susceptible. Et donc l'univers va se faire une joie dans son amour le plus pur et le plus divin de vous envoyer les personnes, les situations qui vont appuyer sur ces points stratégiques. Voilà, bon, j'en arrêterai là pour aujourd'hui, parce que déjà si vous faites tout ça, ça va vous permettre vraiment de rester aligné, en pleine forme et d'augmenter votre taux vibratoire. Voilà, je vous retrouve bientôt, à très vite, prenez soin de vous.